Spectateurs d'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa, la seule émission qui a comme concept le grain. Oui, ici c'est comme le grain. On s'assoit, on rapporte un peu, on fait un peu de papatoyer, un peu de béret. Oui, c'est ça l'idée de Fafa. Nous avons un invité. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, lui-même fils d'une grande comédienne ivoirienne. À l'état civil, c'est Stéphane Agbré. Vous l'avez deviné, AP, Akoutchou National, est avec nous. Bonjour Akoutchou. Bonjour maman. Bienvenue. Il faut laisser à faire les mamans là. Non, non, non. On est au non, travail. Le respect, c'est le respect. Pour le travail là, il faut laisser maman là. Attends, bon, maman, comment? Le gars, tu fais maman ou bien tu as d'autres ou bien tu vois ça comment? Non, Akoutchou, c'est mon petit frère. Mais quel petit frère? Eh, vous, on vous connaît maintenant. Quel petit frère ou ça? Ah, mais je vais te raconter, bon, ça date de loin. Si ça date bon, de la mère bleue Brigitte. Bon, mais si tu appelles maman et puis tu dis non que. Pourquoi maman? C'est que tu te dis que voilà. Non, c'est non, pas ça. Non, il n'y a pas travail. Juste que non. Ah, travail, c'est ça. Ah, bon, enfin. Bah, c'est une jolie garçon. Hein. Tu peux avoir des intentions cachées, toi, Chou, là. Attends, jamais... ouais. Pardon, tu connais? Tu connais Bleu Brigitte? Attends, moi. Hé, c'est ma mère. Comment il va le Akoutchou National? Non, tu es vieux, tranquille, non? Mais Mbengue, c'est comment? Ouais, tranquille, on a déjà. Les gars vont bien. On a déjà tout conquis en Mbengue. Non, maintenant, ouais. Il faut venir maintenant. Poser maintenant les bases maintenant en Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, et mes amis et frères, Fori, Cissé du Boulevard, John Pépi, NBC, le gouverneur Benzema, alors, tout le monde ça va bien. Va bien. Bon, tout les gars, bien. Coucou hein, de ma part, allez, Akoutchou est là, il vous ramène le salam de ma part et la chaleur d'Abidjan. Mais alors, Chola, oui. Akoutchou National. Akoutchou est là, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Hein. Oui, il y a des gens qui t'ont pilé dans cette émission, qui t'ont pilé, comme on dit, mais pour ne pas créer de bafou, on a supprimé beaucoup de choses dans l'émission. Mais comme tu es là, et que le concept de cette émission, c'est comme au grain. Ouais. C'est comme on a assis par terre et puis on fait beurrer au quartier. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, nous, on va te rapporter les propos. On va y aller pas à pas. Déjà, à l'état civil, qui es-tu? Bon, l'état civil, c'est Agbré Stéphane. Hein. Voilà, Agbré Stéphane, connu sous le nom de Akoutchou National, appelé guide, Akoutchou la lumière, le guide des brebis égarées. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Quoi. Y a des brebis, les appellations, il y a David, il y a tout. Oui, il y a les brebis qui sont égarées. Comme qui, comme ça. Mais c'est dans le milieu du show, il y a des brebis. Il y a beaucoup. Est-ce que tu es sûr que tu fais partie des brebis égarés? Non, lui-même, c'est lui qui attrape le bâton. Okay. Vous avez dit qu'on fait fa... Donc, quand il y a voyagé, âme des gens ici, là, c'est vous qui avez pris les pots cassés. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Voilà. Donc Agbré Stéphane à l'état civil, à l'état scolaire. CP1D. Ouais, EPP poulet perdu. EPP vache malade même. Ouais, ça sera pimenté. Hein. Bon, qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à... Bon, on te définit comment déjà? Influenceur, blogueur? Ouais. Comment? Non, artiste. Influenceur, artiste. Parce que blogueur, c'est celui qui tient un blog. Voilà. Qui fait les écritures, les machins, tout ça. Mais bon, influenceur, c'est celui qui peut faire des placements de produits, tout ça. Donc, je suis influenceur artiste. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique aujourd'hui? Bon, la musique, c'est comme une porte de sortie. La musique, c'est... Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi, je me dis qu'on ne peut pas faire ce qu'on entend de faire là pendant 10 ans, pendant 20 ans. Okay. Ça ne peut pas payer. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir avec des nouvelles idées, les nouvelles manières de faire. Et aujourd'hui, quand tu arrives au stade de là où je suis aujourd'hui, il faut maintenant rentabiliser. Parce qu'il y a l'image, il y a le nom qui est là. On connaît Akoutchou National. Mais dans 10 ans, que est devenu Akoutchou National? C'est ce qui est important. Donc la musique, ça a été une porte de sortie, ça a été un petit don que Dieu m'a donné que je ne savais pas et que j'ai découvert ça à travers les directs avec mes abonnés qui ont commencé à écrire Akoutchou, mais tu interprètes bien chanson des gens, ouais, toi-même tu peux te lancer, avec aussi Mola aussi qui m'a appelé pour dire petit, viens, je vais te mettre dans mon mouvement, on voit qu'est-ce qu'on peut faire de toi et je me suis lancé dedans, par la grâce de Dieu ça paye bien. Alors où en est aujourd'hui ta collaboration avec ton producteur justement, mon ami Mola? Mais ça va très bien la collaboration, Mola c'est...
Moula, ce n'est pas qu'un producteur. Moula, c'est un grand frère. Moula, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui m'apprécie aussi. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas que forcément la production. Entre Aputu Dastuna, les plus choses. Il y a celui de grand frère, de protecteur avec son petit. C'est bon, c'est bon, voilà. C'est bon, c'est important. Ok. Alors, Aputu, nous sommes très heureux de te recevoir dans cette émission Fafa. Tu sais que c'est la deuxième fois maintenant. Merci. La première fois, c'était superbement bien passé. Non, non, la deuxième. Alors, mais Aputu, on dira quoi? Aputu Bakayoko ou bien Aputu Roi 12-12? Non, c'est Aputu Dembélé maintenant. Dembélé, c'est par rapport à qui? Dembélé, Aputu Dembélé, Aputu Emmanuel Oulou. C'est de ça qu'ils agissent. Donc, Aputu, c'est quand même, si tu es un nouveau bienfaiteur, tu prends son nom. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais pas ça, ça ressemble à ça. Non, non. Quand tu prêches dans le désert, là, c'est beaucoup moins les oiseaux, au moins t'écoutent. Mm-hmm. Parce que dans le désert, là, il y a les oiseaux, sont bien que tu. C'est que tu peux voir que les oiseaux. Tu vois personne. Par exemple, c'est un désert. Tu vois. Je prêche dans le désert. Oiseau même pas, oiseau chie sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de prêcher dans le désert. C'est une manière de parler. Ça vous dit que quoi? Moi, j'ai aimé le petit. Bon, pas même mon petit, mais mon tonton, Yérim Bakayoko. Je l'ai aimé. C'est ton tonton, hein? C'est mon tonton. Je l'ai dit ici, je le répète. J'ai dit tonton Yérim Bakayoko. Je l'ai aimé. Quand il y a eu son mouvement à l'hôtel, avec, ils ont voyagé âme de mon tonton, Abby, de mon grand frère Abby. Ils ont pris âme d'Abby Isaac, ils ont mis ça dehors. C'est moi qui ai mis ça dans l'humour. Et c'est devenu. Parce qu'au départ, les gens disaient que non. Comme le petit, c'est l'enfant de temps, c'est machin, machin. Oh, ça n'avait rien à voir même. C'était avec pas dans ça, le même contexte. C'est pas dans le même contexte. Voilà. Mais les gens ont voulu. Les gens ont dit que tu voulais rentrer pour gratter là-bas. Non, laisse ta fête de gratter là-bas. T'envoies pour toi, c'est quand tu n'as pas fait. Oui. Ça, c'est des acteurs. Mais maintenant, de viande ne gâte pas moi, j'ai mis ça dans l'humour. De viande ne gâte pas ça. Je sais, mais va arriver à là. Voilà. Moi, j'ai mis ça dans l'humour, machin, machin et tout. Je dis, ah, c'est mon oncle, c'est mon tonton. Pendant des ans, vieux. Deux ans. Ça fait un an que je vis à Abidjan. C'est ma dixième fois à Abidjan. En un mois, six mois. Je suis venu à Abidjan. En un an, six mois. C'est ma dixième fois de venir à Abidjan. Et aucune viande n'a augmenté. Aucune viande n'a augmenté. Donc, on ne me reçoit pas pour dire non, petit. Donc, tonton Yérim ne t'a jamais reçu. Même son nom, même, je n'ai jamais vu. Sa voix, même, je n'ai. Finalement, il a voyagé ton âme aussi. Il a voyagé mon âme. Bah, voilà, c'est que c'est de la voyager. On m'a dit non, le petit ne se sent pas bien, il va te recevoir. Mais je vois le petit, il a des conseils, il a des mouvements, il se promet. Mais voir pendant deux minutes, on ne peut pas. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire, Aputu? Mais juste même une photo seulement. Moi, je ne vais même pas dire quelque chose. Je ne vais pas dire quelque chose. Juste une photo, ça montre qu'au moins Aputu n'a pas prêché dans le vide. Parce que les gens se moquent de moi. Donc, j'ai pas compté m'appeler Aputu Bakayoko, mais ne voit pas. Oh, on m'appelle Dembélé là. On dit petit, fais-moi rire, 5 millions de transports. Mais qui est Dembélé là? C'est qui? C'est le roi 12-12. Ah, il s'appelle Dembélé à l'état civil. Il s'appelle Dembélé, okay. C'est son vrai nom. Donc, il me dit maintenant m'appeler Aputu Dembélé. Mais qu'est-ce que tu. Et j'ai ajouté maintenant Emmanuel Olo. Pas de rien. C'est qui? C'est qui? Et Emmanuel Colo, qui c'est? Emmanuel Colo, là, ça, c'est la reine 30-30. C'est une femme? C'est une femme. Elle est où? Elle est encore du voici. Si tu l'as vu, ta vie a changé. Faut dire son nom encore, tu vas voir. Elle s'appelle comment? Emmanuel Olo. Dresse bien la caméra. Faut dresser. C'est moi qui te dis, pas attends, Emmanuel Olo. Attends, quelque chose. Attends, Sula. Attends, quelque chose. Emmanuel Olo. Ah, t'es vécu. Je voulais voir. Les gens vont t'arriver. Faut continuer. Emmanuel Olo. Ces photos sont moi, je vais prendre toi. Non, laisse tomber. Si tu as tiré les photos, c'est moi qui t'en ai. Moi, la vie première fois sur moi, transport m'a donné là. Moi-même, je me demandais si c'était faux bien. Vous voyez, il ne croyait pas ce qu'il y a réussi. Tellement c'était dans quelque chose, il dit moi, après aujourd'hui, c'est Aputu Emmanuel Olo. Mais qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui vous traitent de mendiants? On dit que vous faites la politique de la main tendue, surtout quand on voit un Pancho le gâteau qui est surexcité comme du popcorn. Qui est capable de prendre voilà, des gens avec qui ses porte dents. Même couche. Pour nous énerver en disant qu'il est le Kwan hein, du roi 12-12. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes, à vos détracteurs justement? Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit savoir. C'est-à-dire, on a comme l'impression que les gens dénigrent sans toutefois soutenir. En Côte d'Ivoire, là, tu vas aller voir les gens, même pour te donner 1 million de transports, c'est trop t'étonner. C'est trop. Si tu as donné 1 million, c'est comme si tu as donné quelque chose d'une valeur de 100 millions. Maison, il a payé. C'est que lui, il peut parler de ça pendant 20 ans. Le Messi finit pas. Il va dire Messi finit pas. Mais tu es un gars comme le roi 12-12. Le roi 12-12 n'a jamais demandé une seule fois, petit, parler de moi. Même petit, faites une vidéo pour moi, bien petit, bon, j'ai mon truc là, il faut parler de ça. Il m'a jamais demandé. Et je sais qu'il n'a jamais demandé au Pancho, il y a qui ce soit. C'est quelqu'un, j'ai compris qu'il aime l'être humain. Si c'est les Maliens là, chaque Malien a son griot en quelque sorte. Et c'est dans ça fait partie de la culture. Et ils mettent bien ceux qui les valorisent. Parce que quelqu'un qui valorise le roi, papa,
il ne va pas permettre que le gars soit dans la merde. C'est ce qu'on appelle le bouffon du roi. Voilà. Mm-hmm. Le quoi? Le bouffon du roi. Le bouffon du roi. Bon, c'est vrai, ça, c'est ce qu'il t'a dit. Non, mais c'est comme mais ça. Moi, je ne suis pas allé à ça. Le bouffon du roi. Ça, c'est le bouffon. Dit quand les petits bouffons, ça, c'est. Là, tu dis que ça fait bouffon. Non, 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 non. Il faut laisser ça. Parlons d'autre chose. Ton gros français qui est fait celui sur moi, tu vas le voir. On va se laisser ici. Hein, c'est laissé, hein, mon vieil. Ah, c'est comme chez nous, on dit accroblade. Mais bien sûr, ça c'est un vous là-bas. Dites-vous bouffon. Non, il va t'aimer. Non, on n'a pas encore la paix quelque part. Allez dans les termes. Attends, lui-même voilà. Il a utilisé les termes. Non, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a dit. Ok, bon, tu dis non que. En bon français. Mais vous êtes bouffon, tu vois. Le roi là, je l'ai dit, le roi là, hein. Qu'il y a les gens qui doivent faire ce qu'ils font sur la tarapoue. Et en plus, c'est le roi. Que non, ils s'occupent d'eux, tout ça. Mais c'est eux le nom qu'on appelle les bouffons du roi. Je n'ai jamais entendu ça. Non, laissons ça. Bon. Laissons bouffons là. L'appellation bouffon, il n'a pas de voilà. Parce qu'il est rentré dans le monde. C'est les amis du roi. Ils sont les amis du roi. Maintenant, bouffon là. À vous de autre roi, il est pas choisi d'avoir la soie. Il est droit, il a dit ça là-bas. Et puis, ils ont ça. Voilà. Donc. Depuis, on est petit bouffon là. C'est un mot, ça passe pas dans mes oreilles. Bien, lui là, c'est un bouffon. Nous en sommes pas. Pourquoi on dit ça? Moi, c'est un dame. C'est là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu ne trouves pas que des fois, le père d'Aloua, je le connais, bon, enfin, j'ai pas de problème avec lui, je le connais pas particulièrement, mais tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop quand il demande de l'argent? C'est qu'on sait que le roi 12-12 donne, mais d'Aloua là, il n'abuse pas un peu selon toi? Mais c'est de ça qu'il vit. Les gens sont donc plein, lui, il vit dans la poche des gens? Je peux prendre un exemple. Les gens se sont plaints ici, pourquoi ils se couchaient par terre? Mm-hmm. Ils ont aussi voyagé à son âme. Les gens se sont dit pourquoi ils se couchaient par terre devant un malien. Les gens l'ont dit ici. Mais les Ivoiriens qui sont ici là, qui a reçu Père Dalloa une fois pour lui donner quelque chose? Est-ce qu'il nous a demandé? Est-ce qu'il a bien de vous demander? Quand vous voyez Père Dalloa, vous savez que c'est... Non, si on veut anticiper les besoins de chacun, on voit Père Dalloa, on sait que lui là, c'est un cas grave. Donc mais, il faut le faire grave, sortir. Grave, c'est-à-dire quoi? Il a aussi faim que ça? Non, pas question d'avoir faim, mais c'est quelqu'un... Il fait son mouvement pour gagner son argent. Mm-hmm. Vous vous plaignez qu'il ne faut pas faire ça? Non, non, on se plaint pas. C'est que si on se plaint, c'est que trouver une solution pour lui, il n'est plus qu'il le fasse. Mais vous ne trouvez pas solution par rapport à ça. Mais vous plaît qu'il continue dans ça. Mais il va continuer à se faire mouvement. C'est son game, c'est son. C'est comme ça que c'est devenu aujourd'hui comme son style. Ah. Même les humoristes ont commencé à apprendre ça. On a vu ici une photo de mon tonton Akalawal qui était parti chez le papa Asafo où il s'est couché par terre. C'est devenu aujourd'hui un concept. Envoie ça à la mimisme. Envoie ça à tout de Henri. Mais on sait que c'est ça. Non, c'est tout en dérision. C'est tout en dérision, mais on sait que c'est chose qui est trouble. Mais parlons justement de bouffon. Tu sais que les tenues qu'ils portent souvent. C'est gros jacoto, orange, blanc, vert là. Mais oui, c'est le bouffon du roi. C'est Mougoubé, la porte. C'est comme ça le bouffon du roi. Tu as dit que non, le vieux dit déjà Jacob était bouffon. Non, les bouffons du roi, ils portent Mougouba. Non, c'est un Mougouba. Pour Jacob, là, c'est stylé. Mais pour lui, c'est stylé. Il fait la photo de son goût. Maintenant, apparemment, Apoutu le défend beaucoup. Est-ce que c'est le même gang ou bien ça? Mais c'est le même gang. Non, c'est pas question de même gang. Parce que vous en surnommez, vous avez le même travail. Moi. Mais toi-même, tu l'as dit. Moi, mes relations avec le roi, c'est différent. C'est relation petit frère, grand frère. On se soutient. Chacun apporte la visibilité à l'autre. L'autre apporte la visibilité à l'autre. Quand on voit Apoutu. Je ne peux pas avec le roi pour que le roi la capable de donner 1 million, 2 millions. Mais il te donne. Je n'ai pas faim de ça. Mais il donne ou il te donne? Moi, il me fait des projets. Mm-hmm. Moi, le roi, il a payé le terrain, il m'a donné. Mm-hmm. Ok, d'accord. Voilà. Je ne peux pas aller voir le roi pour dire le roi donne-moi 1 million, 2 millions. C'est impossible. Mais si tu as donné le transport, tu prends. Non, mais ça veut dire qu'il ne peut pas me donner 1 million. Mais je vais rapporter, il fait pour moi. Mais lui, il me demande, Apoutu, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes projets? Je lui explique, je mets sur la table. Il dit, bon, ça, on fait ça maintenant. L'autre, on peut attendre. Mm-hmm. J'ai une question pour toi, Apoutu. Mm-hmm. On dit que le roi 12-12 a beaucoup d'argent. Énormément. C'est toi, sinon, c'est toi qui es proche de lui, c'est vrai ou c'est faux? Parce que je vais faire un petit papier. Mais est-ce qu'on a bien dit quelque chose? Ces voitures, même déjà là, on est pas chez lui à la maison, il a 20 voitures. Tout sort de voitures. Quand tu calcules ces voitures, ça va dans des milliards. On n'a pas bien demandé quelque chose. Bon, je te pose la question. Tu la sais pourquoi? Jamais, quand tu calcules, ça va être 600 millions. Tu sais pourquoi je te demande ça? Oui. Parce qu'il y a un artiste qu'on a reçu ici qui nous a dit que le roi 12-12 là, c'est un plaisantin. Il fait quoi aux gens qu'il a l'argent alors qu'il n'a rien? Est-ce que l'artiste a moyen à sa fin? Bon, c'est parce que maintenant, il y a affaire de plaintes qui planent partout que je n'ai pas envie de dire le nom. Sinon, mais c'est ce qu'il a dit. Faut je lui ai demandé. Il va prendre plein de comptes qui disent. Non, non. Je lui ai. Est-ce qu'il a insulté? Il dit que si l'artiste a moyen à sa fin. Le monsieur fait croire qu'il a l'argent alors que la vérité, c'est quoi? C'est ça, il demande. Est-ce que lui, il mange à sa fin? Certainement, s'il le dit. Ah, s'il le dit. Non, il parce qu'il a fréquenté le gars. Parce que s'il mangeait à sa fin, il n'est pas de ça. Voilà. C'est pas parce que tu as demandé quelque chose à quelqu'un que le gars ne t'a pas donné, que tu as pensé que mais le gars n'a pas les moyens. Mais est-ce que tu as une petite idée de qui je veux parler? Moi, je ne sais pas de qui tu parles. Mais toi-même, moi-même, je vais dire toujours. Tu sais même pas de quelque chose. D'autres son nom?
Non, non, on va continuer. Mais c'est pas Fafa. Mais et les goûts qui vont à vous au Mali, là, c'est quoi le contexte? T'as vu quel goût est qui au Mali? Aïe. Les goûts qui sont partis à vous dans les convois, dans le convoi, là, ou bien c'est comment? Personne n'a l'eau au Mali, là. Ce personne qui est parti au Mali, c'est Emma Dobré. Et Doxy Yahoo n'était pas de la partie. Non, Doxy Yahoo n'était pas de la partie. Doxy Yahoo, elle va quand elle veut. Mm-hmm. Et c'est bon, je dis qu'elle va là-bas. Mm-hmm. Chacun a ses relations à la personne. Mm-hmm. Mais, tu connais d'autres goûts qui vont là-bas qui se cachent? Les artistes de Côte d'Ivoire qui m'appellent matin, midi, soir, mais en contact avec le roi. Mais comment toi, tu as pu être proche du roi finalement? Non, il aimait ma personne. Voilà, il aimait ma personne. C'est le feeling. Voilà, il a vu que je suis quelqu'un de très honnête, très bien. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé, même si d'autres personnes vont le penser. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apporter de la joie, de l'amour aux personnes. Voilà, c'est comme ça, c'est dans ma nature. J'aime valoriser les gens. Moi, j'ai passé toute ma vie à valoriser les gens. Nous avons vu ici à travers les réseaux sociaux, j'ai fait promotion des artistes, personne m'a donné 5 francs. Il met les chansons, il fait les promotions. Pas dire que pour tout, une chose mondiale par rapport à ça, non. Mais moi, j'aime valoriser les gens. Voilà, maintenant, si en retour, quelque chose vient à moi, il n'y a pas de souci. Hein. Concernant Pancho Le Gâté, quels sont vos rapports? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère, vous entendez très bien. Très bien. Est-ce que tu arrives de lui donner des conseils? Conseil de quoi? Lui, c'est un humoriste, lui, chez son père aussi. Non, parce qu'on a, on a vu une vidéo qui a choqué la Côte d'Ivoire. Où le roi 12-12 est venu en Côte d'Ivoire. Pancho était sur ses pieds comme un nouveau-né prêt à têter les tétons du roi 12-12. Mais s'il faut se mettre là la nation. C'est pour expliquer son problème, pour qu'il s'en sorte, moi-même, je vais le conseiller 100 fois. Il n'a qu'à se mettre. Il faut têter les tétons du roi. Apporter un coup, jamais biberon tétine dans sa bouche. Il va le sucer ça. Il parle de quoi? T'as dit que quelqu'un. Il ne te suit pas quelqu'un. Donc, il n'y a plus de code de déontologie ni de moralité. Non, il n'y a plus de moralité. Mais tu veux parler de quelle moralité quand la fin existe? Ah, donc c'est lui qui a la fin. Mais aïe, nous sommes à la fin, nous sommes en charge. Qui arrive? Nous n'est pas encore arrivé, nous on se cherche. Moi je me cherche. Moi le jour je croise le président, donc je dis qu'il n'est pas de famille, tous mes parents sont déjà dans la guerre. Tu renies Bleu Brigitte en même temps. Attends, pas de ta vie va changer, tu vas le voir. C'est que le gars il a fait. La guerre, tu as vu, donc il se cherche. Tu entends ce gars pour te dire. Non, mais ça part de là, mais c'est pour te dire que le gars il se cherche. Il se cherche, il veut s'en sortir. Voilà, c'est difficile. Le gars, il est là, il est dans le pays, il fait ses humours, ses machins, ses blagues, ça prend un peu, mais le résultat, pas ça derrière, marche pas ça même. Ça marche pas comme il se doit. Parce que le temps de voilà, tu sais qu'il sort là-bas, tu viens, tu le fais rire, tu lui expliques tes problèmes, tes projets, tes machins. Mm-hmm. Il est là, il t'écoute, machin. Un matin, c'est là, il dit, bon, ok, t'as qu'à ce souci. Voilà, 5 millions. Voilà. Alors, Aboudjou, récemment, on a vu, tu as fait une intervention sur la toile. Bon, tu en fais beaucoup, mais par moments, beaucoup de personnes ne comprennent pas trop ce qui se passe. On t'a vu un moment à couteau tiré avec Hassan Ayek. Mm-hmm. D'où vient ce problème? Non, pas à couteau tiré. Tu sais, moi, je suis un influenceur. Un influenceur, c'est celui qui fait des placements de produits. Donc, quand on est un ami, on est proche, en commun, et qu'on sait que cet ami-là fait la promotion de telle ou telle chose, et que toi-même, tu sais qu'il y a des personnalités de ce pays qui font la promotion de la même chose, et que tu t'attaques forcément... Comme si tu t'attaquais à moi, sans toutefois t'attaquer aux autres. Aux autres, ouais. Moi, je me sens directement pour dire que le gars avait même sable dans moi, mon attaqué. Comme si c'est la discussion. Pourtant, moi, je ne mets pas sable dans lui, son attaqué, mais je ne vais pas lui demander pourquoi est-ce qu'il a signé dans telle chaîne télé pendant que nous tous en sommes, comment est-ce qu'il en a parlé, tout ça dans le passé, tout, tu vois un peu. Mm-hmm. Donc, quand c'est comme ça, moi, tu viens m'attaquer, pourtant, moi, je ne t'attaque pas. Parce que moi, je me sens directement attaqué. Mm-hmm. C'est ça qui me donne à manger. C'est ça qu'il prend souvent pour faire mes petits dons au quartier. Personne ne me donne là. Personne ne me donne là. En sans voir les autorités là, c'est flash. Il n'y a pas l'un qui sort, il n'y a rien. Ah moi, bon. Je fais mes petits business, je m'en sors ça, par mes publicités, mes placements de produits, mes petits spectacles que je fais, machin. Je vais voir quelqu'un, celui qui me donne 2, 10 francs, 20 francs, j'économise un peu. Le jour, j'ai la possibilité de pouvoir aider les gens, je le fais. Mm-hmm. Donc, quand tu viens attaquer comme cela, c'est comme si tu mets ça dans notre non, mais il dénonce peut-être, il a commencé à dénoncer certaines choses qui ne sont pas justement. C'est des bêtises. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti premier pour pas parler de choses ça? Parce qu'il sait que non, il a des partenaires. Non, on n'a qu'à prendre à se respecter. Tant que ça ne les touche pas. Et automatiquement, ils sont tranquilles. Non, il le dit. Quand ça nous touche à nous, okay. Et maintenant, ça va. Tu sais, je suis influenceur artiste. Je connais le milieu des réseaux sociaux comme ma paume. Si c'est arrivé là, c'est parce que j'ai pris ça comme un travail. C'est juste une récupération sentimentale. Parce que 2-3 personnes ont fait des commentaires. On prend ça, on commence à attaquer maintenant les gars des VTC. On commence à attaquer maintenant les gars qui font les jeux Paris Sporting Machin. Donc, on fait plus de ça. Ça m'a fait plus de ça. Il a qu'à allumer sa caméra pour dire que non, il s'adresse à Doroba. Bon, ok. Et si il y a il n'a pas qu'à s'attaquer au plus dangereux. Mais enceinte déjà, celui-même qui est notre repère en Côte d'Ivoire, quand on dit que les jeux s'identifient à lui, Daï Zoko, qui fait publicité des paris sportifs. Ok, mais Apoutchou, et si. Bon, il n'a qu'à attaquer le Nassi. Oui.
Bon, ok. Et si non, non, si, mais encore, bon, il faut parler sportif. Et s'il y a une irrégularité dans les fonctionnements, que le monsieur dénonce cela, est-ce que c'est pas aussi bien? On n'a qu'à arrêter de se voler la face. Mm-hmm. Les paris sportifs, là, mais à but dangereux pour les moins de 18 ans. Ok. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne dois pas jouer. Ça, je le dis ça tous les jours. Mm-hmm. La LONACI existe en Côte d'Ivoire qui fait paris sportif. Il n'a qu'à attaquer ça, d'abord. Mm-hmm. C'est la chose qu'on ne peut pas attaquer. Arrêtons de se voler la face. On fait juste des 2-3 petits postes parce qu'on voit que voilà, l'opinion publique est penchée sur telle chose. On essaie de toucher un peu pour prendre un peu quelques sentiments du show public. Mais c'est ce que tu fais aussi. Attends. Vous êtes dans le même game ou bien? Non, mais moi, je n'attaque pas où là. Où qu'elle mange, je n'attaque pas là-bas. Oui, parce que les gens disent que toi, c'est quand tu as tes intérêts, quelqu'un ou quelque chose que tu défends. Que tu défends. Mais mes intérêts ne vont pas à l'encontre de l'intérêt de mon ami. C'est ça. Mais quels sont tes rapports aujourd'hui avec Hassan Ali? C'est mon frère, c'est mon ami. C'est pas. On n'est pas en palabre. On a des divergences d'opinion. En fait. C'est tout. C'est mon ami, on s'appelle. Après qu'il ait fait son poste, que moi j'ai fait mon jeu direct. On s'est parlé au téléphone. Mm-hmm. On s'est parlé au téléphone. C'est mon ami, c'est mon frère. Il demeure mon frère jusqu'à l'Ascaras. Et quels sont tes rapports avec Yves Duro à l'heure actuelle? Il n'y a pas de rapport. Chacun met dans son coin, chacun gère son mouvement. Il ne peut pas avoir de rapport, il n'y a pas de rapport. Mais pourquoi il ne peut pas avoir de rapport? Il peut avoir des rapports. Non, mais il n'y a pas de rapport. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de rapport. Voilà, mais quand pour l'instant, je suis le guide de mon mouvement. Mmh. Elle est dans son mouvement, chacun dans mais son tu mouvement. Guides quoi au juste? Je veux savoir. Je guide les brebis égarées. Quelles sont les brebis égarées? Quel type de personnes égarées dans ce pays? Ceux qui me combattent, ceux qui ne veulent pas me voir avancer. Ceux qui passent dans les bureaux pour dire ne recevez pas. Ah, parce que les gens passent dans le bureau pour dire qu'on ne recevez pas. C'est dans le bureau. Mais si tu as des noms, il faut nous dire. Non, mais les gens qui passent dans les bureaux qui vont me critiquer ne recevez pas parce qu'il a parlé mal de temps, et tout. Vous voyez. C'est des gens que voilà, tu connais qui font ça? Mais oui, il y en a plein. Un ou deux noms vite fait comme ça, sur le pif. Mais il y en a plein. Bon, moi, je vous casse même tous les papous. Ouais, casse en même temps, c'est ça. Mais c'est maintenant Fafa. Maintenant, ça a commencé. Depuis aussi Abidjan, j'ai fait une seule émission ce matin. Et Nati, c'est celui qui a besoin de toutes les chaînes de télé. Moi, aucune chaîne de télé ne peut m'inviter en Côte d'Ivoire, puis moi j'ai refusé de show party. Vous voyez? Non, on me dit, il ne passe pas là-bas parce que j'ai attaqué, parce que j'ai insulté, parce qu'il fait tout. Mais quel injure? Parce que Dieu, j'ai dit des choses qui ne vont pas dans le sens des choses. Mais non, ça ne te fait pas. Moi, dans le passé, j'ai eu attaqué l'émission polémique. Même ici, même, je ne voulais pas louper. Ici, oui. Je ne voulais pas louper. J'ai pris Anaconda ici, à son âme. Je l'ai soulevé ici pour dire que c'est dans ton. C'est ainsi même émission ici. Bien mais c'est qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que le papa ne m'a pas invité? On m'a invité. C'est le game. C'est pas dire que nous, on est forcément contre chose. Vous voyez? Donc, depuis que je suis venu à Abidjan, on ne veut pas me faire passer. Je demande à passer pour aller faire le tour des lives, même pour chanter, tout ça, pour montrer que tu as des talents, que même il peut chanter en live, tout ça. Ah, mais il ne voit pas de réponse, machin. Il dit que non, moi, j'ai insulté. Donc, du coup, moi, il est passé. Donc, selon toi, il y a quelqu'un qui est derrière qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qui est derrière, je sais ça déjà. Je connais déjà. Je connais la personne, on se connaît. La personne passe dans les bureaux, on se connaît. Vous gâtez mon nom. On vient me dire. Moi, j'ai signé ici avec une boisson. Je vous jure, si ma carrière musicale, si il manque tout ce qui est vieux dans ma vie, il ne faut pas que Dieu va me donner. Boisson. Il faisait les publicités. La personne est passée derrière pour aller parler au directeur pour dire que pourquoi est-ce que moi, on m'a choisi. Que le cas lui donnait moitié de ce que moi, me donne là. Elle va faire la pub de ça. J'ai l'impression que c'est une femme. Hein. Quelqu'un de populaire. Il va me mettre à côté. Quelqu'un de populaire aussi. J'ai l'impression que c'est une femme. Il te dit quelque chose. Il parle d'une femme. Je sais pas que c'est une femme. Moi, c'est de quoi. En fait, vous ne voyez pas. Vous voyez juste les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe derrière, c'est la sorcellerie. Je disponais via ce milieu-là. C'est la sorcellerie. C'est la méchanceté. Pourquoi est-ce que c'est Apoutou National? Pourquoi est-ce que c'est ce petit-là qu'on doit recevoir? Pourquoi est-ce que c'est lui qui fait tant, 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 tant? Mais on ne va pas rester dans ça. Chacun a son heure de gloire, chacun a sa chance. Aujourd'hui, c'est peut-être mon temps. Laissez-moi profiter, faire mes petites relations, gagner mon petit argent. C'est tout ce que moi, je demande. Voilà. Mais en parlant de tout ça, on a reçu aussi Bravado ici. Il n'a pas été très tendre. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Vous savez, il a été vraiment virulent. Il t'a même traité d'hypocrite. Voilà. Il a dit, mais beaucoup de mots très que forts. Que dans votre ligue des blogueurs, il y a un sorcier qui est au milieu, voilà, qui mélange les gens. À entendre Bravado parler, nous, on a dit que c'était toi. Non, vous savez, ça peut être normal. Ça peut être normal. Voilà. Vous savez, les anciennes gloires, parfois ceux qui ne sont pas. Qui est ancienne gloire là? Non, les anciennes gloires, je parle. Laisse aller. Bravado et ancienne gloire. Les anciennes gloires. Ok. Qui s'assoient dans n'importe quel aspect. Mm-hmm. Les anciennes gloires. Si tu n'as pas une âme pure et qu'une nouvelle génération vient et que cette nouvelle génération est plus vieille à la lumière, tu vas rentrer dans un clan de sorciers à vouloir dénigrer ce que Dieu a mis à lui. Chacun a son temps. Donc, il est rentré dans un clan de sorciers pour te dénigrer. Voilà. Donc, c'est Bravado chacun qui est ancienne gloire là. Chacun a son temps. Mm-hmm. Aujourd'hui là. Mm-hmm. On le met dans la rue, on le met, personne ne va aller vers lui. C'est le guide, c'est là. Donc tu as dit qu'on ne le connaît pas. On le croise dehors.
En ce qui est Apoutchou dans le journal. Donc tu as dit que Bravador n'est pas connu. Ses collages de vidéos ne sont pas reconnus. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même level. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dimension. Aujourd'hui, c'est Apoutchou National, le guide. Quand moi, je sors ma tête dans la voiture, c'est le monde qui vient. C'est le monde qui vient. C'est une grâce. Et cette grâce-là, c'est par rapport à mes abonnés. Donc, quand on voit tout ça, là, on commence. Moi, j'ai fait quoi? Donc, ça donne des pessimistes au cœur. Moi, c'était mon ami, c'était mon frère. Tu as fait vidéo collage, je suis ma maman. J'ai dit que je ne veux pas ça. Je devais être sorcier dans quoi? Juste ça. Juste ça. On finit même ça encore. On fait vidéo. Où tu dis qu'on est ami. Bon, supposons, je suis ami et toi. Je suis ami avec la personne là. S'il y a un palabre, je n'ai pas choisi un camp. Mm-hmm. Au contraire, je vois dire que ah, lui c'est mon ami, c'est mon ami. Trouver une solution. Pour réconcilier. Mais on fait une vidéo où on veut me détruire. Mm-hmm. On me traite d'appartenance à un parti politique. Parce qu'on sait que le parti politique n'est pas bien vu, mon chien. On veut me coller ça. Mm-hmm. On me dénigre, on me suit, on me fait mon chien. Toi, tu partages la vidéo. Mais c'est que tu es dans le clan pour blanc, moi, mes nuits. Mm-hmm. Donc, je me mets à côté parce que je ne connais pas tes intentions. Mm-hmm. Mais mettre à côté, je ne te dénigre pas, je ne t'attaque pas. Mm-hmm. Mais là, je deviens ton sorcier et partout où tu passes, tu commences à me dénigrer. Mm-hmm. Mais à quel moment on arrive à là? Chacun n'a qu'à rester dans son coin, c'est tranquille. Donc, tu ne sais même pas que, comment tout ça s'est fait. Ah, c'est ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout. Nous, là, on est traité d'hypocrite, de manchien. Il n'y a pas possibilité de réconciliation de Bravador et toi. Mais en nous, on a besoin de la réconciliation parce qu'on ne peut pas demander aux gens de se réconcilier, nos autorités, et puis nous, on sait même chose. Mais pour se réconcilier, il faut être vrai. On ne se réconcilie pas. Avec quelque chose. Avec dans des choses fausses. Mais non. Moi, il n'y a pas tant de ça. Moi, j'ai mon argent. Moi, je me joue les illettrés, les bêtes, je gagne mon argent, tranquillement, il n'y a pas besoin. Mais justement, tu as donné ce conseil-là à manager confirmant, lui disant si l'intelligent qui continue de faire la bête. C'est ceux les bêtes qui réussissent dans ce pays et dans le monde dans lequel on est. Okay, mais Apoutchou, c'est grave ce que tu dis. Ça ne veut pas dire de se jeter par les machins. Mais c'est pour te dire qu'il faut, être celui-là qui apprend qu'il ne connaît rien. Moi, c'est le conseil que maman a toujours donné. Quand tu es en face de quelqu'un, il faut te jouer les furieux pour apprendre. Okay. Tu comprends? Voilà. Il ne faut pas te jouer celui qui connaît tout ou bien celui qui a dit à ça, celui qui a dit à marché. Moi, j'aimerais être devant le président, même s'il y a 20 millions dans ma peau. Il y a le président qui est derrière. Mais ça, c'est comme ça. Je n'ai pas me gonfler pour dire que non, je m'en sors. Président, même si mon mec, il le voit, lui dit qu'il doit dans la rue. En fait, peut-être que l'expression employée n'est pas ça. Mais pour celui qui voit au-delà de ce que je dis, il va savoir de quoi Apoutchou National parle. Mais moi, Apoutchou, excuse-moi. Mais Apoutchou, il y a un truc qui m'intrigue. Hein, parce que je ne comprends pas que je veux qu'il m'explique. Bébé sans os de main, un Yakuba est quitté à main, il est venu à Abidjan. Précise, elle a nuque. Et voilà. Ouais. Apoutchou est quitté à Paris, il est venu à Abidjan. Mm-hmm. Rosine Layo aussi est quitté dans son truc là-bas, elle est venue aussi. Bon, en ce moment, on voit tous les Yakuba au-delà de la scène. Trop. C'est trop. Quoi? Il y a un coup d'état contre les Baoulés de la musique. Ils veulent nous détruire. C'est la grâce. Actuellement, c'est les Baoulés et les Yakuba qui font fort à Abidjan. Oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de moi, on parle de Roseline, on parle de. Manager confirmé. Bon, ça, là-bas, ça, c'est les cas graves. Mm-hmm. Ça, c'est pas pareil. Maman, c'est bien sûr. Les congélateurs, les manières confirmées, voilà, chacun aussi fait son truc. Quoi. Alors, quelle est la leçon que tu tires de l'arrestation de Lolo Beauté? Mais c'est un message fort. Mais moi, j'ai eu un son, hein. On dit que c'est toi qui as balancé sur les réseaux sociaux que Lolo Beauté, enfin, tu as dit en coulisses. Non, mais en état d'accord, voilà, que vous étiez sur le même vol. Donc, c'est toi qui as balancé l'information. J'ai pas bien caché ça. Ouais, parce qu'il dit qu'il j'ai pas dit que, a pris ça. Est-ce que quand il a dit ça, je suis venu dénigrer pour me venir fêter? Non, non. Non, le lendemain, même après, moi, même j'ai demandé. Mais aïe, on est tous influenceurs, on est tous blogueurs. Mais quand on l'a arrêté, ça t'a plu, mais ça t'a quand moi j'ai fait mon semblant d'arrestation des partis à Paris, mon buzz, pour retourner en gloire, quand on les a envoyé la vidéo, eh bien, je vais pas chercher à savoir, mais ils ont commencé à faire bruit en même temps. Donc ça vous dit que c'est le mouvement, c'est le game. Le game, c'est pas du jeu. En fait, tu as vu un peu tes vrais ennemis. Non, j'ai pas de mes vrais ennemis. Tu sais, je suis venu en gloire. J'arrive à l'aéroport, plus de 4000 personnes viennent m'accueillir, comme si on n'a pas été un conseil. C'est du jamais vu. Le seul qui a fait ça, quoi, c'est Arafat. Les autres qui ont essayé de faire ça, là, c'est 25 personnes qui ont eu de la guerre à répondre. C'est qui les autres là? En s'en enterré. C'est qui les autres? Non, laisse tomber. Non, ah, Apoutchou, tu as dit que tu as cassé les papos, mais tu casses pas vraiment les papos. On dirait que tu as un peu peur de dire les noms. Ah, tu as changé. Mais c'est qu'elles disent ton nom ici. Non, eux, tout le monde. Concernant le problème entre manager confirmé et congélateur, on dit qu'il y a un sorcier, c'est lui qui a mis. Les deux lampalabres. Non, il n'y a pas un sorcier. Toi, quelle est ta version? Il y avait deux sorciers. Mm-hmm. Et comme la sorcellerie n'a pas marché bien, les deux sont mis à côté comme cela. Et l'autre veut laisser l'autre aller dans la sorcellerie. Laissons ça. On connaît déjà le mouvement. Manatia et congélateur, ils ont voulu prendre le petit congélateur, se disant que le petit aujourd'hui commence à percer, commence à avoir un nom. Donc il faut l'encadrer, manger son argent. Comme le petit, c'est un illitré. Non, tu as dit manager et congélateur. Mais tu t'es trompé. Qui?
C'est pas des lits. Non, tu dis manager et congélateur. Mais oui. Mais qui. Ah, d'accord, tu expliques quoi. J'explique. Ah. Comment est-ce qu'ils ont pris le petit? Ils ont récupéré le petit, sachant qu'ils allaient mailler l'argent. Ok. Donc, ils constatent que le petit, là, pour l'inviter, ils vont lui donner quel cachet. C'est pour donner les 100 000, les 200 000, c'est en soutien. Donc, c'est ils ont vu, que le montant. Et les 100 000, les 200 000, là, autant où manager était un congélateur, là, il faisait combien de spectacles dans le mois? Nous, tous les artistes, on connaît. Combien de fois, actuellement, c'est difficile de gagner un spectacle? Sur le terrain, c'est un peu compliqué. Sur le terrain, ouais, même. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça que si les gars ont eu 100 000 francs, ou même 150 000 francs, ils ont payé là, combien, quand tu as dit. Les danseurs. Après ça, ils se nourrissent, payent les danseurs 10 000, 10 000, 10 000. Et ils ont vu que le petit gagne trop d'argent derrière, que Maradja est en train de s'enrichir. Ils ont pris le petit. Ils ont accusé le petit de tout. Il est sorti un congélateur. Vous, on a vu ça ici. Ils l'ont accusé ici. L'État pouvait prendre ça en compte et puis prendre Maradja, le mettre en prison. Ils ont voulu ternir l'image du petit. Arrêter après pour dire que non, j'avais pas de preuves, j'ai attaqué comme cela. Est-ce qu'on peut dire des choses comme cela? On peut pas venir tenir des choses et puis après venir le lendemain pour dire que non, j'avais pas de preuves, que non, je m'excuse. Surtout qu'on parle. C'est de graves accusations, ça. Hein? On parle de ce garçon qui a abusé de quelqu'un. Un autre garçon. Mais attends, quand même. Mais donc ta leçon que tu tires de l'arrestation de Lolo Beauté. La leçon que je tire, c'est que c'est un message que lance le gouvernement pour dire qu'on ne peut plus faire les choses à tout va désormais en Côte d'Ivoire. C'est ça. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Il faudrait que les influenceurs comprennent qu'on n'a pas forcément besoin de s'insulter, de se dénigrer, de se déshabiller. De dénigrer les autres. De dénigrer les autres pour se faire entendre. C'est que cette période où on devait le faire et qui n'était même pas conseillé est déjà passée. C'est révolu, ça. C'est révolu. Aujourd'hui, on peut parler sans toutefois insulter. Oui, oui. On peut dire sa vérité, se faire comprendre sans toutefois se faire insulter. Aujourd'hui, moi, je suis dans une posture, les gens ils voient ça. On dit, ça fait mal à beaucoup de personnes parce que j'ai changé. Je me suis mis dans un système aujourd'hui où le problème de la population devient moi mon problème. Je charge, je mets la lumière, je fais mon petit buzz tranquille, on me reçoit. Voilà. Donc, moi, le jour où elle était arrêtée, le lendemain, je suis passé dans une chaîne. J'ai dit, je plaide pour sa libération. Elle a compris. C'est une maman, elle a ses enfants. Aujourd'hui, on demande de se pardonner, en pas mettre quelqu'un en prison. Pendant qu'on lance un message de pardon. Donc, libérons-la, manchin. Okay, ma vidéo a été vue ici par des milliers de personnes. Le soir, j'ai appris qu'elle était libérée. Là, ouais. Donc, Dieu merci. Mais c'est un message pour nous tous. Alors, Apoutchou, dans ta nouvelle chanson qui fait le buzz en ce moment partout sur la toile. Cette chanson-là, tu tiens des propos en disant mets ton doigt. Le doigt dans. Pas dans. Mets ton doigt, poum poum. C'est un concept. Non. C'est mon premier son coupé décalé. Mets ton doigt. Maintenant. Poum poum. Celui qui veut mettre son doigt. Ton doigt. Quelque part. Pourquoi c'est pour le doigt la souris, maintenant. Poum poum, mets ton doigt. Mais c'est le coupé décalé là. Ça se chante avec un concert, avec un trou pour retenir, pour faire chose. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Il y a un message. Quel est le message? Ton doigt dans ton travail. Est-ce que c'est pas un peu de la promotion des mœurs que tu es en train de... Ça, c'est toi qui entends ça comme ça. Non. Moi, je dis bien dans la chanson, quand on écoute toute la chanson, mets ton doigt dans ton travail. Tu es menuisier, tu es plombier. Tu es docteur, tu es élève. Donc on travaille le doigt. Mais on travaille quoi? Il n'est pas prêt à nous dire que c'est la vérité. C'est sa main? Oui, c'est pas les doigts. Mets ton doigt, mets ta main. J'ai dit ça dans la chanson. Tu as dit mets ton doigt et mets ta main. Mets ta main. Mets ton doigt dans. Mets ton doigt. Non, mets ta main. En général, en Côte d'Ivoire, c'est qu'on dit mets ton doigt, mets ton doigt. Mais c'est où là? Mais je ne vais pas réfléchir. Attends ta place. Non, moi, tu n'es pas dit. Mais celui qui a chanté la chanson, le jargon ivoirien. Mais parce que depuis mon doigt est devant moi. Voilà, parce que je cherche où je dois mettre. Tu ne peux pas rien chercher où tu dois mettre. Mais là où toi, tu as envie de mettre. Chacun n'a qu'à choisir où mettre son doigt. Et mais moi qui ai chanté la chanson, qui suis l'interprète de la chanson, je dis donc, toi, le doigt là. Attends. Donc, ce que toi, tu as chanté là, tu ne réponds plus de où ils vont mettre les doigts. Je ne réponds plus de où ils vont mettre les doigts. Moi, je dis. Moi, je cherche. Ils n'ont qu'à mettre doigt là. Donc, toi, tu le guides là. Quand tu guides les gens là, tu les amènes vers où alors? Vers le travail. Mets ton doigt si tu es boulanger. Mets ton doigt si tu es mécanicien. Mets ton doigt si tu es plombier. Mets ton doigt si tu es planteur. C'est là-bas que j'ai dit. Mais si toi, maintenant, tu aimes mettre ton doigt dans je ne sais quoi. Je ne sais quoi, là, ça sous-entend quoi? Donc, mets ton doigt toi, chez le roi 12-12. Non, moi, j'ai mes mains. Non, tu es de doigt là. Non, pour travailler, j'attrape mon papier. Voilà, j'ai dit, mets ton doigt, mets ta main. Après, tu vas me demander où je dois mettre mon doigt. Tu as la première, non? Oui. Et tu as quoi doigt? Je vais mettre mon doigt sur le roi 12-12. Il faut mettre. Arrête de mettre. Chola. Roi 12-12, c'est un monument. Chola, comment tu mets ton doigt? C'est quoi ça? Tu mets ton doigt. Mais il dit de mettre ton doigt dans le travail. Où tu as envie de mettre? Donc, je vais mettre mon doigt sur le roi 12-12.
Comment ton doigt se rend douce? C'est mon idole, je l'ai rencontré, je vais mettre mon doigt là-bas. Mais elle sait comment elle va faire pour mettre son doigt là. Chacun cherche, chacun sait pourquoi il va chez le roi. Bon, il va mettre ça dans sa vie. Elle sait comment elle va mettre le doigt là. C'est qu'elle suit, il faut aller mettre. Au passage, big up pour salutation au roi Douzou. Je vois souvent qu'il like les publications avec Mola. Mais bien voilà, ensemble. Va où okay. Tu vas mettre. Alors, Aboudjou, bon, aujourd'hui, tu as sorti des clips et tout. On ouais. Te voit avec des pas. Bon, quand tu vois dans les clips là, il y a des pas de danse qui fait là. Bon, tu es un peu parqué aussi. Ouais. Bon, tu n'es pas trop souple. Bon, tu vois pas qu'il y a les pas, ils n'ont qu'à laisser un peu aussi. Non, il faut laisser. Ici, on n'a pas. Voilà. Il n'est pas prêt. Du haut de 1m92. Mais Aboudjou, tu sais qu'il y a des pas déjà, ils t'ont pire ici là. Toi, non. Oui, parce qu'on pensait qu'il y a 20 ans de Mola. Tu as fait, il y avait une vidéo de toi où tu étais en train de faire chorégraphier, tu es dans ce même moment, tu as levé ton t-shirt. Mais c'était ton show. Les gens disent, mais voilà où il a gâté la prestation. Remets le t-shirt. Pourquoi les gars remettent? Pourquoi? Moi, je suis pas complexé. Non. C'est moi qui montre. Tu sais, il y a des âmes sensibles. Il y a des âmes sensibles. Non, non. Chez les gens, ça l'est tout. Pourquoi il fait ça? Moi, je suis pas complexé. Moi, tu sais, moi, j'ai cassé tous les codes sur les réseaux sociaux. J'ai montré qu'un peuple illettré ne pas aller à l'école et puis avoir un temps de parole. Ceux qui se disaient qu'il faut avoir champagne, dire les mots, croiser les pieds pour parler sur Facebook, c'est résolu. Mm-hmm. Voici un jeune qui sort, transpiration, sopalin, faux français, les gens le coupent. C'est la partie de sopalin. Moi, je viens avec un nouveau truc de marché pour dire que, quel que soit ton poids, ta forme que tu as, sois pas complexé, aime-toi comme tu es. Mm-hmm. C'est Dieu qui t'a donné ça. Est-ce que je peux arracher ça là? Alors, en ce moment, Aboudjou, il s'est dit que Bob Lee est très malade. Mm-hmm. Mm-hmm. Quel est c'est vrai ou bien c'est faux? Ton analyse sur cette situation et ton point de vue. Moi, je ne vois même pas. Vidéo, même des influenceurs, blogueurs, je ne vois rien. Avec tous les classes qu'il fait avec l'autre vidéo. Non, je ne vois rien. Actuellement, il te jure, je suis en train de préparer un album de 11 titres. Apuchu Fit Tikenja, Apuchu Fit VG Dream, Apuchu Fit Sidiki Djabaté, Apuchu Fit Mani Bella. Mon album arrive. Ah, ta camarade Mani Bella, finalement, vous vous êtes réconcilié. On a fait un son ensemble qui est de ouf. Mais vous, vous êtes pas je vais au Cameroun même à la fin de ce mois pour faire le clip qui est de ouf. Je peux pas un album de 11 titres. Mon concert est prévu le 6 janvier au Palais de la Culture. Je suis concentré sur ça. Les influenceurs, les blogueurs, les palabres, les manchins là. J'ai fait. J'ai demandé yaki aux gens. Allons-y sur un autre chemin. Mm-hmm. Mais t'imagines vieux, ça fait 4 ans on se clash. Au lieu de faire clash un temps. Demain fait clash un temps. Après faire clash un temps. Après je vais réconcilier un temps. Mais ce qui après, est déplorable, on attend l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Ce qui est déplorable, c'est pas que quand tu fais les clashs avec les gens justement, pour t'avoir, ils ne passent pas. Que par toi, ils attaquent aussi ta mère. C'est ça qui est déplorable. Mais ouais, c'est ça. Moi, le premier, c'est que moi, ma mère connue. Ouais, aussi, oui. Justement, on connaît bien Brigitte avant voilà. Moi. Alors que eux, leurs parents. On sait qu'ils vont dire à Poutou d'Asmina là, c'est. Moi-même, femme, suce, mais c'est. C'est des femmes. C'est pour ça que c'est son produit. Adama, c'est arrivé là-bas. Mais si, mais c'est son produit, c'est parce qu'en suce, mais c'est. Suce, c'est des femmes. Donc, en fait, tu comprends, mais c'est à force des sujets là que c'est que les têtes sont. Moi, je peux donner l'air à mon enfant. Aboudjou, est-ce que tu n'es pas l'entendu pour aller faire Bibi et le dessin? Bibi elle c'est petit. Non, Bibi elle là c'est pour derrière. Bibi elle c'est quoi? Non, c'est pour te dire que moi j'ai trop de j'ai trop de choses en tête pour me mettre. C'est que les gens n'ont qu'à arrêter. On est fatigué. Regarde les petites filles qui sont allées faire dicter là. Aucun influenceur n'est venu s'asseoir, venir parler de ça. Aujourd'hui, moi je suis parti parler de ça. Blé Goudé l'a reçu. Maman Simone Babo les a reçus après ma vidéo. C'est des cas comme ça qu'on doit parler. On doit monter qu'en Côte d'Ivoire, on fait aussi l'excellence aussi du talent. Mm-hmm. Parce qu'à chaque fois qu'on continue dans ça, c'est comme si il faut se déshabiller, il faut mettre le doigt dans la narine, il faut dire à Saman dans mon oreille, il faut voler, il faut faire quelque chose. Donc, si je comprends bien, tu veux dire que les chaînes de télé privilégient la médiocrité. Mais c'est pas les chaînes de télé, hein. C'est le public ivoirien. Parce que quand on montre ce qui est bon, ils sont 30 personnes à suivre. Mais justement, Aboudjou. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as décidé de changer de façon de faire. Mais on sait tous comment tu as commencé aussi. En quitte de quelque part pour aller quelque part. Justement. Mm-hmm. Maintenant, comme tu le dis, tu ne te dis pas que c'est le moment pour toi d'appeler la jeunesse à changer de façon de réfléchir. Parce qu'on a l'impression que les Ivoiriens sont concentrés que sur le buzz. Alors qu'il n'y a pas que ça dans la vie. C'est ce que je fais ces jours-ci, des mois. Ah, c'est maintenant que tu as commencé, non? Non, il y a des mois et je fais ça en 20 années. Ah. La nouvelle version d'Aputu Nassau, c'est celui qui prend les débats. Voilà, c'est ce qu'on attend des influenceurs. La nouvelle version d'Aputu Nassau, c'est celui où il dit qu'il y a problème dans les hôpitaux, qui va là-bas. On dit qu'il y a problème dans le marché, qui va dans le marché, qui en aide même de son argent pour donner. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Ah, bah il était temps, hein. Mais il y a un temps pour tout. Ah, bah voilà. Celui qui est destiné à quelque chose, il va arriver forcément. Mais est-ce que tu penses que le vieux Makosso, lui, peut changer? Chacun a ses problèmes.
Moi, je n'ai pas de relation à l'IMPT où il te parle là. Hey, il a pris balle perdue. Où je suis allé là, il fait mes vidéos bête. Le ministre rit. Ah, pour tu n'es pas intelligent. Il met mon petit agent. Je suis content. Tout le monde a quand même la bête dans le pays là, c'est pas grave. EMPT à quoi avoir là où Je n'ai pas de relation. Celui qui a relation. Blanc musique, connaît qui dans ce pays? Faut fâcher. Oh, qui met ça? Un père 30 000 francs. Par à dame. Elle va aller me faire sortir où là-bas? Imagine moi là-bas. Si on termine à l'EMPT. Je ne serai plus à Poutou, je serai ce qui rit dans deux semaines. Ceux qui ont relation dans ce pays. Parce qu'ils vont t'écrire tes à la marque là-bas, là, c'est ce qu'ils aient. Ceux qui ont relation dans ce pays, c'est pas des seins tombés. Voilà. Après, ils vont faire tomber tes seins à la marque. Ils vont le têter à la marque. Là où tu parles, là, je n'ai pas de relation dans ce pays. Moi, c'est pourquoi quand je demande, j'ai fait ces PND. Faut pas me tomber pour dire que j'ai fait seconde en tête. On dit, tu as fait seconde K. Où? Où? Après l'année. Où sont tes amis de classe? Allez là. L'établissement. Tout le monde est grimé sur Internet. Ils attendent les gens pour passer les papiers. Allez là. Allez là. J'ai fait CP1. On dit, où? Dans mon village. Les gens, avocats, je voulais vous aller vérifier. Celui qui m'a servi, il est bien mort. Ben, ils ont cherché les amis de classe de l'EMPD. Ils l'ont cherché dans la liste de la liste. Allez, on va dans ce pays. Les gars, on ne peut plus mentir dans ce pays. Pays là, c'est plus de l'amusement. Alors, Apoutchou, là, c'est la question, on va dire, une question un peu spirituelle. Parce qu'il y a une forme de prophétesse, une forme de prophétesse sur la toile qui a fait une directe où elle dit non, qu'elle est accusée de faire Zamou. Mm-hmm. Zamou. Oui, qu'il faut te répentir et tout ça. Si elle fait Zamou, elle est là. Moi, c'est moi, c'est dans la situation dans laquelle je suis. C'est quelle prophétesse, ça? J'ai vu ça sur la toile, elle parlait comme ça. Donc, non, j'ai pris quelques mots. Puis si moi j'ai fait Zamou, vraiment, c'est que ce n'est pas là où je suis là. Vous savez, moi je suis un croyant à 100%. Je dis, je ne fais rien de moi-même. Okay. Car c'est Dieu qui travaille à travers moi. Je ne suis jamais allé chez un marabout. Je n'ai jamais fréquenté un marabout. Je prie mon Dieu tranquillement. Et j'avance avec la bénédiction des bleus Brigitte qui m'accompagne. Fétiche marabout, ça t'envoie où? Ça, c'est des choses éphémères, ça. Ça, c'est rien, ça. J'ai pas pionné ça dans ma vie. Mais Apoutchou, vraiment, je vois beaucoup de gueules sur toi, tout ça. Vraiment, c'est normal que Irim Bakayoko ne te voit pas. Mais ce que je voulais, là où je voulais arriver, c'est qu'un toi est plus à Afou Keïta. Qui a gueulé, tu brilles. Non, personne ne peut détrôner la vie, mais Afou Keïta, elle a la relation. Non, pour la grêle. Alors, vous voulez le mettre forcément en prison, bien, c'est non, pas de gueule. On dit gueule. Ah, ben, gueule, tu as gueule. Est-ce que tu peux avoir gueule ou bien la gueule? Non, je n'ai rien plus qu'elle-même. Il n'arrive même pas à 2% de ce qu'elle est. Ah, bon, d'accord. Aujourd'hui, en tant qu'influenceur, en tant que le guide, en tant que la lumière, en tant que tout ça, quel est ton message que tu portes à la jeunesse? Le message que je porte à la jeunesse aujourd'hui, c'est le travail. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je suis sorti de nulle part. Aujourd'hui, je me suis fait un nom. Je comptabilise près de 5 millions d'abonnés. J'ai créé une fondation qui vient en aide aux enfants de la rue. J'ai déjà fait plus de 100 permis pour les enfants de la rue. Cet argent-là, je l'ai pris dans ma poche. Comptabiliser un permis en Côte d'Ivoire coûte combien? J'ai fait ça pour des jeunes dans la rue. Aujourd'hui, j'ai créé une fondation qui vient en aide aux enfants de la rue. Zéro enfant dans la rue à l'horizon 2030. J'ai eu le soutien. C'est pourquoi je dis tout le temps, la seule autorité qui m'a... La seule autorité. Qui a mis un cachet à ma notoriété, elle s'appelle Maman Nassiri Batouré, avec qui j'ai signé un accord ministériel et ma fondation. Okay. Donc aujourd'hui, là, ce que je peux dire à cette jeunesse, c'est que on n'a pas besoin d'être perverti pour devenir quelqu'un, pour se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'en Côte d'Ivoire désormais, c'est que l'image... Nos présente, chaînes de télé est présente, c'est qu'il faut faire la médiocrité pour être vu à la lumière. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une fille fait des vidéos, c'est stable, et puis on demande qu'on veut la recevoir pour lui donner un yako. Quel est le message qu'il faut donner à la jeunesse? Aussi, on reçoit des. Quand on reçoit des cas graves. Non, il y a une fuite sur une sextape. Voilà. Sur la toile. Sur la effectivement, j'ai suivi ça. Tu as suivi ça, non? Il y a une fuite sur une sextape. Les dernières vidéos qu'on a vues là. Et, voilà. Et on voit quelqu'un qui sort. Un monsieur qui sort, qui dit qu'il veut la recevoir pour lui donner un yako. J'ai fait vidéo, je l'ai bombardé. J'ai dit, mais où est la moralité à donner dans cette histoire? Non, il n'est pas sérieux là. Mais il est sérieux. Où est la moralité à donner dans cette histoire? Donc, ce que moi je peux dire, c'est le travail. C'est de croire en soi. C'est de se dire qu'on peut y arriver. On peut quitter des zéros pour arriver là. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé en France, mon vieux. En 2018, le 22 novembre 2018, j'ai dormi 2 semaines dans les rues de Paris, à Châtelet, dans le froid. Je n'ai pas appelé Bleu Brigitte pour dire que je vais retourner au pays. Elle me dit, mon petit, prends avion, tout ce que tu veux au pays, parce qu'il y a la maison qui t'attend. J'ai grouillé.
je connais les réseaux sociaux. On a vu comment est-ce que les gens m'ont dénigré, insulté. Moi-même, j'ai insulté les gens. Je n'ai pas baissé les bras. Je crois en moi. Au lieu qu'on me regarde avec respect. Même les artistes de Côte d'Ivoire, des fois, même, ils me demandent là. Hein. Parce que j'ai donné quelque chose. Mais oui, ah, pour toi, c'est que ça me sort facilement. Le nombre d'artistes que moi j'ai aidé en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas comptés. Moi, j'ai donné 1 million d'artistes ici. Voici les, qui les sont deux, artistes les connus. Deux petits là sont là. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, là, j'aide les gens. Ils ont leur conseil, moi je paye les tickets, je paye les trucs, je paye. Quand il y a un spectacle de telle personne, j'enlève l'an, je paye le ticket 500 000, 300 000. J'apporte ton soutien. J'apporte mon ouais, chose. Donc c'est pour te dire que c'est le travail. Okay. Cette jeunesse-là qui a travaillé. Travailler. Laisser la drogue, la cigarette, la boisson, ça n'a rien donné. Ça ne va rien donner. Moi ici, là, il ne boit pas, il ne fume pas, il fait rien. Est-ce que tu peux donner un conseil aux gens hein, qui essaient de devenir influenceurs sur les réseaux sociaux et qui font dans la diffamation? Est-ce que tu peux leur faire comprendre qu'au-delà de ce qu'ils font, il y a des lois qui régissent ce pays et que la diffamation est punie par la loi? D'accord. Ce que moi je peux dire est que ces jeunes gens aujourd'hui qui commencent comme ça, c'est parce qu'ils nous ont suivis dans le passé. Dans le début, voilà. Ils sont dans vos débuts, en fait. Ouais. C'est comme le ça, début ça. Où on n'était que dans les insultes, dans les clashs. Ce qu'on a fait il y a 3 ans, c'est maintenant eux qui commencent. Mais moi, je vais leur dire qu'on n'a pas besoin de faire ça. Je suis bien placé pour dire qu'on n'a pas besoin de faire ça. Parce que autant que je faisais ça, là, on me regardait mal. Même toi-même, tu ne pourrais pas me recevoir. Bien sûr. Si même tu me voyais dans la rue, tu as dit, mais putain, mais il y a des salés, pourquoi? Il est trop. J'ai collé mon image, qui insulte comme ça, machin. Bon, aujourd'hui, là, c'est tout le monde vient auprès de moi, tout le monde m'accueille. Je suis reçu par des personnalités, par des autorités. C'est parce qu'ils ont vu un pouvoir politique national qu'on peut soutenir. Parce que les gens ne veulent pas soutenir la médiocrité. Hein. Les gens veulent soutenir tout ce qui est bon. Donc tous ceux qui font des vidéos, qui rentrent dans le milieu là, vous n'avez pas besoin d'insulter. Parce que dénigrer, insulter, ça va en prison. Diffamer. Peut-être que quand tu insultes, tu as 1000 personnes, 2000 personnes, tu es content. Mais demain, quand il y a un problème, il n'y a personne qui va venir au tribunal pour dire que non, on vient t'aider. Au contraire, les mêmes personnes que mis j'aime là, c'est les mêmes personnes qui vont venir encore t'insulter. Moi, j'ai vu ici des gens qui sont venus, pendant qu'ils faisaient mon clash, hein, mon tonton, en vieux, j'ai vu une femme. Elle est venue commenter, Apoutchou, faut le jaiser. J'ai mal regardé direct de mon tonton, la même femme. Il faut tuer Apoutchou. Bon, c'est comme ça, le milieu là, Ah bon, d'accord. Ils commentent pour toi, ils vont commenter contre toi. Là-bas. Donc, c'est plus que le jour que tu as un problème, personne va venir t'aider. Ils sont dans un game comme toi aussi. Ils sont dans un game. Eux aussi. Tous ceux sur Internet aussi sont dans les games. Donc, c'est ça. Bon, ben, je pense que. Et puis, je fais un coucou à mon grand frère Yaka. Yaka. Voilà, ben, fini. Voilà, c'est un bon message. Mais aussi, il faut que tu dises aussi à ceux qui ont commencé avec toi. Qui n'ont qu'à mettre la balle à terre aussi, parce qu'il y en a qui continuent encore. S'ils n'ont pas mis des mêmes balles à terre, on va pas. Est-ce que ce sont les enfants? Eh, finissent des boules d'acier. Les lois de ce pays vont leur mettre la balle à terre à leur niveau. Eh, finissent des boules d'acier. Ouais, mais il t'a dit, alors. Voilà, c'est pas des enfants. Notre émission tire déjà à sa fin. Exactement. Alors, tu as dit dans l'émission que ton album était combien de titres? 11 titres. 11 titres. Un album de 11 titres, des grosses collaborations. Le concert, le 6 janvier au Palais de la Culture. 6 janvier au Palais de la Culture, de l'année prochaine. Oui, de l'année 6 janvier 2024, à la 4000 places. Ok, il y a un casino de Paris en vue aussi. Oui, après le concert de... D'Abidjan. Je ferai maintenant le concert maintenant pour toute la diaspora. Waouh. Alors donc, on va s'attendre à quoi? Au concert, un Apoutchou National en live. Le roi Bouzou sera présent. Live, un Apoutchou National, le concert le plus... Ce que j'ai préparé pour ce concert, ça sera le concert le plus extraordinaire qu'il y a. Et qui est le parrain de ce concert? Le parrain, c'est le roi 12-12. On n'a pas besoin de demander. On n'a pas demandé une fille, j'ai une bonne chose. Il y a ça aussi. Et lui, il n'y a pas de transpiration. De toute façon, on va mettre le doigt là-bas. À mon bureau de doigt. On va mettre le doigt là-bas. Le doigt. On met son doigt. Ah. Alors, notre émission tire à sa fin, Apoutchou. On était vraiment très heureux de te recevoir. Et on voit le changement, hein. Oui, on voit, franchement. Non, sérieusement, Apoutchou, je te le dis, sans truc. L'autre émission auparavant, ce n'était pas la même chose que cette fois-ci. Là, je te sens plus posé, plus responsable. Ouais. Et c'est vraiment une nouvelle image que tu véhicules. Et bon courage, bonne continuation dedans, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, merci à Mokif Création qui a habillé le César valeureusement. Regardez un peu la tunique. Voilà, Mokif Création. Donc, bientôt, je suis là, je vais voir avec Mokif pour qu'on t'habille. Il est bon, il a quand même vu aussi, c'est bon. J'aime. Ah, voilà, c'est une femme. Je vais terminer. Je vous dis, mon tonton Yérim Bado, quand il a honte sur moi. Vraiment. Ah. Ça tire le photo. Tonton Yérim Bado, pour le tonton. Moi-même, il a été payé 500 000. Voilà, y a, non, il n'a pas payé ton diable. Comment tu sais? Vous dites que c'est un minimum. J'ai appelé son frère Tidiane. Hein, photo seulement. Les gens se sont moqués de moi jusqu'à fin. Moi, je veux faire photo. Mais quand on dit quelqu'un, je m'en fous de ce que les gens disent. Au moins, là, une photo. Ici, dans la maison.
des Bakayoko, j'ai fait émission ici. Ah, bam, man. En fait, c'est ça. Tidane Bakayoko, je t'envoie un message, mon petit frère. Charge-toi de faire que Apoutchou puisse voir ton frère. Photo, okay. Il est même passé. Là, c'est pour Karl Bakayoko aussi. Il veut faire photo avec Karl Bakayoko. Big up à Karl aussi. Pardon, chacun ses problèmes. Pourquoi tu t'es ménagé dans mon trou? Apoutchou, pardon, si tu es hier, moi, je veux voir Karl. Apoutchou, t'inquiète, ils vont te recevoir, je le sais. Photos seulement? Ils sont très chics. Alors, merci, big up à Kangala le berger, big up à la boutique chez Kra, les vêtements certifiés depuis la 8e tranche, toujours la pointue au-dessus. Big up aussi à Franck Mian, le jeune industriel, toujours opérationnel. Big up à Max et Hervé, désormais l'ex-place Vendôme est ouvert, ça s'appelle le Coco Bango. Ambiance tropicale, torride, soirée de folie, et c'est du côté du plateau, faites-y un tour, c'est top. Le S-Club, le restaurant aussi qui vous reçoit avec la bonne bouffe atypique du côté de la 7e tranche ouverte chez le César. On est ensemble. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans les quatre coins du monde. Surtout, big up à tous nos gars de Paris. Fori Fori, Cissé du Boulevard, Président John Pripri, grand big up pour vous. On est ensemble et merci pour le soutien depuis votre position et sortez toujours couvert. Alors, PDG Pierrot, n'oubliez surtout pas, Somadive, Mamadou Diawara, le vendeur de motos et des tricycles exceptionnels. Passez-y, faites un tour à Somadive, toujours. Merci et que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, merci d'avoir été en notre compagnie. C'est terminé pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine avec un nouvel invité et encore plus de papos à casser. Sola est habillée par Diva Glam Collection et j'en profite pour faire un gros big up à ma belle et grande commune de Diabo. D'ici là, portez-vous bien et j'aimerais remercier ces personnes-là même qui font Fa-Fa. Il s'agit bel et bien de Soko, de William Santiago et de Stéphane Aka. À la semaine prochaine. Au revoir. We'll be right back.